Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. On est là ensemble en direct jusqu'à 19h50 pour toute l'actualité de ce mercredi 24 mai avec Nathalie, on s'est concerté, c'était veste rose. Hein. Moi, c'est un petit peu plus corsé, c'est large. Mathieu, bonsoir à tous les trois. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Émilie. Et puis tout de suite, un peu de soleil, un peu de chaleur et de la paillette avec Babette Akane. Bonsoir, Babette, j'ai que des waouh sur le plateau. Incroyable. Bonsoir Paris, bonsoir à tous. Ce soir, on fly to the moon avec nos invités, Alessandra Sublet, Michel Larocque, Eric Serra, c'est les 35 ans du Grand Bleu, mais aussi Pierre Demar, révélation musicale de l'année aux dernières Victoires de la musique, Frédéric Lefebvre qui a monté les marches ici à Cannes. Est-ce que quelque chose est prévu pour nos invités, Bertrand ? Évidemment, car le club C'est à vous sait recevoir, un cocktail de bienvenue les attendra dès leur arrivée en haut du tapis rouge. PNC aux portes. Vérification de la porte opposée. Armement des toboggans. Décollage à 20h. Bah dis donc, on a hâte de décoller, hein. Bravo. Sinon, on continue. Pas du tout low cost. À tout à l'heure. Nathalie, vous nous parlez quoi ce soir? On essaye d'atterrir. Désolée de casser l'ambiance. Je vais vous parler de la réforme du RSA, le revenu de solidarité active, qui s'apprête à être légèrement modifié avec un volet insertion, c'est-à-dire la nécessité pour certaines personnes de faire case à 20 heures par semaine d'une activité, soit de formation, soit d'insertion, juste pour fixer les idées. 2 millions de bénéficiaires, 607 euros par mois. C'est l'une des nombreuses questions que l'on vous soumettra. Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Rassemblement National du Nord, vice-président du parti et de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau également ce soir. Elle est rare dans les médias et pourtant elle est l'unique femme à la tête d'un groupe, d'un grand groupe de distribution en France. Cathy Collard-Gégère, PDG de Picard, c'est l'une des marques préférées des Français, c'est l'une des enseignes en première ligne face à l'inflation. Mohamed, votre story ce soir. Encore un État américain où la condition des femmes recule. On va partir dans la story en Caroline du Sud, où hier soir a été votée la proscription de l'avortement et les femmes sont de plus en plus en difficulté là-bas. Des sénatrices républicaines ont pris la parole, vous allez les entendre. Une histoire dingue. Mathieu, dans le 5 sur 5. L'hébergement d'urgence est saturé en région parisienne et les hôteliers veulent aussi récupérer leurs chambres en prévision de la Coupe du Monde de rugby et des Jeux de Paris 2024. Alors l'État veut redéployer les sans-abri en région, une idée qui fait débat, on va en parler dans le 5. Autant de sujets qu'on va aborder dans un instant, mais d'abord, la gauche s'est donné rendez-vous depuis 17h à Saint-Brévin-les-Pins, un rassemblement deux semaines après la démission retentissante du maire Yannick Morez, dont le domicile avait été incendié. Un maire qui a fini par jeter l'éponge face aux menaces venues de militants de l'extrême droite contre un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. Un maire devenu depuis le symbole des élus face aux violences et une gauche qui aujourd'hui tente de reprendre la main. Nos reporters Louis Amar et Anaïs Recouli sont sur place. Sur cette place, il y a des hommes et des femmes de gauche. Il y a aussi des hommes et des femmes du centre. Ce qui compte, c'est d'être là pour Yannick Morez. Ce qui compte, c'est d'être là pour soutenir tous les maires de ce pays. Je n'attendais pas à avoir autant de monde pour me soutenir. Donc un grand merci. Et c'est vrai que depuis une semaine, je suis pris dans un tourbillon médiatique depuis l'annonce de ma démission. Je manifeste contre l'extrême droite, contre les intimidations, les pressions et la violence de l'extrême droite. Nous savons tous qu'il existe une espèce de compétition dans la bêtise pour les groupes d'extrême droite et je redoute la suite. C'est une alerte très 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 sérieuse. Moi quand j'étais dans l'hémicycle et qu'on s'est levé pour faire une minute d'applaudissement en l'honneur de Yannick Brévin, j'ai pas compris que l'extrême droite ne se lève pas. Qu'à ce moment-là, elle reste assise, les bras croisés. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie qu'elle cautionne la violence? Peut-être qu'ils ne sont pas totalement au clair avec un certain nombre de pratiques et qu'ils ont de la difficulté spontanément à les condamner. Il faut qu'il y ait des paroles très très claires de Marine Le Pen et du Rassemblement National sur ça. Pour l'instant, on ne les entend pas. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un seul élu d'extrême droite ici? Parce que si quelqu'un avait mis le feu à une mairie ou au domicile d'un maire d'extrême droite, je serais venu le défendre. Pourquoi? Moi. Sébastien Chenu, c'est la gauche donc, qui défile en ce moment en soutien à Yannick Morez, le maire démissionnaire de Saint-Brévin. Vous êtes là, donc vous n'y êtes pas allé, mais vous n'avez pas songé une seconde à y aller? D'abord, moi, je ne suis pas à l'extrême droite, voyez-vous. Les propos de gens qui soutiennent les Black Blocs toute l'année, qui laissent... C'est pas l'extrême droite? Non, c'est pas l'extrême droite. Enfin, expliquez-moi à quoi c'est l'extrême droite, d'ailleurs. Enfin, c'est quoi l'extrême droite? C'est un parti, quand même, historiquement, de l'extrême droite. Non, l'étiquette, vraiment, en l'occurrence, c'est...
Non, mais, on y va. Non, mais on peut en parler. C'est quoi l'extrême droite? C'est quoi les marqueurs de l'extrême droite? Moi, je sais ce que c'est que l'extrême droite parce qu'elle me combat et elle nous combat. Alors, mais le Rassemblement national, c'est un parti républicain. Sinon, d'ailleurs, s'il était extrémiste, on ne pourrait pas se présenter. Dans un tel cas, on oublie complètement ce qu'on pense politiquement pour aller soutenir les choses sont très simples. Il y a une condamnation sur les violences faites à tous les élus, contre tous les élus. Où il se trouve que, vous savez, quand nous, on est violentés, moi, j'ai reçu, par exemple, des propos, des lettres homophobes épouvantables. Je n'ai pas eu un mot, contrairement à ce que dit Mélenchon, un mot de soutien de ces gens-là. Hein. Non, mais justement, est-ce que Yannick Morel, cette cause-là, ne méritait pas j'y viens. On condamne toutes les violences. Moi, dans ma circonscription, il y a un maire, M. Baudrin, qui n'est pas un maire de ma couleur politique, qui a été violenté il y a un an ou deux. Je l'ai évidemment soutenu. Il n'y a pas de problème sur ça. Il y a 1300 maires qui ont démissionné suite à ce qu'ils subissent, à ce qu'ils vivent, etc. Donc, il y a un vrai problème de ce côté-là. De l'autre côté, le 18 octobre dernier, Marine Le Pen a demandé la dissolution de toutes les milices d'extrême-gauche ou d'extrême-droite dans notre pays. Elle a envoyé une lettre à Elisabeth Borne, n'a jamais reçu de réponse non plus. Le 18 octobre, on est avant tout ça. Donc, sur le reste, moi je suis... J'envoie un message de soutien au maire de Saint-Brévin, évidemment, et je refuse la récupération politique de l'extrême-gauche, car monsieur le maire de Saint-Brévin, aujourd'hui, a déclaré « Je réfute la récupération politique de l'extrême-gauche. » Il aurait aimé que cette marche se veuille transpartisane, bien sûr, et qu'elle soit, et donc peut-être il sait très bien, à cette marche. Et il sait très bien que l'extrême-gauche essaye de se refaire la cerise sur son dos. Donc moi, j'ai pas tout le monde, il n'y a pas de récupération, vous voyez. Moi, j'ai pas de problème à condamner, mais je ne réagis pas aux injonctions de l'extrême-gauche qui nous dit « Levez-vous, asseyez-vous, applaudissez, condamnez, dites oui, dites non ». Moi, j'ai pas besoin d'eux. Le 18 octobre, on a demandé la dissolution de ces milices. À l'Assemblée nationale, c'est le député PS de l'Essonne, Jérôme Guedj, qui prend la parole pour rendre hommage à Yannick Morez. L'ensemble des députés... présence se lève, François Ruffin y a fait référence en ce moment, même Robert Ménard qui a soutenu Marine Le Pen n'a pas compris mais Robert Ménard n'était pas dans l'hémicycle quelques secondes avant. L'extrême gauche venait d'insulter la police nationale encore une fois, parce qu'ils le font systématiquement. Et hier, aux questions au gouvernement, l'extrême gauche ne s'est pas levée lorsqu'un député de notre mouvement politique a rendu hommage aux trois policiers qui sont morts. Donc, ils sont restés assis les bras croisés et vous ne dites rien, ça ne vous dérange pas. L'idée, ce n'est pas de faire du cinéma, parce que là, ce qu'ils font, c'est du cinéma pour se refaire la cerise sur le sort d'un maire qui lui-même dit qu'il y a une récupération politique. L'idée, c'est de dire combattons. Il n'y a pas de symbole. Le symbole, c'est lorsque nous demandons qu'on condamne toutes les violences, on n'est pas hémiplégique. Or, le problème, c'est que nous avons face à nous des gens qui sont hémiplégiques. Quand les autres sont violentés et touchés, vous savez, moi, l'extrême-gauche m'a tapé dessus. Je les ai traînés devant les tribunaux. Des syndicalistes m'ont tapé dessus dans le précédent mandat. Tapé dessus. Je n'ai pas eu un message de M. Mélenchon. Donc, si vous voulez, il ne faut pas d'hémiplégie. Nous, on condamne toutes les violences. Les violences de Saint-Brévin sont particulièrement graves vis-à-vis du maire de Saint-Brévin. Il a évidemment toute notre solidarité, mais nous les condamnons toutes. Mais on ne cherche pas à se refaire la cerise, à se refaire la santé sur le dos de ce maire. Sébastien, quand Anaïs Sabatini, votre collègue députée à l'Assemblée nationale, a reçu des appels menaçants sur sa famille, etc., c'était il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Fadila Khattabi de Renaissance l'a soutenu. Des députés, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui s'illustrent bien. Des députés de gauche l'ont soutenu. Je les ai interviewés, je les ai rencontrés. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne le font pas. Je vous parle de l'extrême-gauche, même Khattabi, elle est Renaissance. Oui, je vous ai cité des députés de gauche Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a derrière ça une manipulation que dénonce le maire de Saint-Brévin. Donc vous n'allez pas me faire dire l'inverse du maire de Saint-Brévin. Je suis d'accord avec le maire de Saint-Brévin, je le soutiens, on combat toutes les violences, nous n'en légitimons aucune. Pour le reste, si c'était à refaire, vous resteriez assis à l'Assemblée nationale, je suis premier à être debout. Je suis premier à être debout. Si c'est M. Mélenchon ou M. Ruffin qui derrière essayent de manipuler et font des injonctions, je ne réponds pas aux injonctions de l'extrême gauche. Nous ne sommes pas des gens qui plions devant des gens qui nous obligent, qui nous commandent, qui nous recommandent et qui nous disent ce qu'il faut faire de bien à ou pas, des... surtout venant de gens qui ont tant à se reprocher. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils font ça, parce qu'ils ont tant à se reprocher. Ils hébergent tant dans leur mouvement de gens qui participent au Black Bloc. Ils défilent avec tant de gens qui contestent la République. Et en l'occurrence, ce qu'on a sur les gens qui se détractent, les gens qui cassent, les gens qui violentent, soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. À Saint-Brévin, dans les manifestations à l'origine de ça, pour manifester contre ce centre d'accueil de demandeurs d'asile, il y avait des membres du Rassemblement national à l'origine. Non, il n'y avait pas. Non, c'était Reconquête. Non, il y avait des membres du Rassemblement national.
n'avons jamais soutenu cette manif. Écoutez, si Jean-Michel Cadenas, délégué départemental de la Fédération Rassemblement National de la Mayenne, qui tweet le 28 septembre 2022 pour montrer qu'il est à Saint-Brévin-les-Pins et pour manifester contre ce centre de migrants. Le 29 octobre, un autre membre de la Rassemblement National qui est... Non, mais c'est ce que je dis. C'est autre chose. Nous sommes hostiles à ces centres d'accueil de migrants. Ça, c'est une position politique. On a le droit de la manifester parce que dans notre pays, on a le droit de manifester quand on accueille ou quand on manifeste. C'est un droit, c'est un pays de liberté. Alors oui, il y a des gens qui manifestent, on ne les aime pas particulièrement. Il y en a qui ont manifesté au cri d'Allah Akbar et ils ont manifesté dans notre pays. Et personne, peu de monde, finalement, les apprécie. Donc oui, on peut manifester dans le pays, on peut être en parfait désaccord avec des manifestations. Maintenant, on est sur la question des violences, on est aussi sur la question des solutions. Parce que ça masque aussi beaucoup de choses. L'abandon de nos élus par l'État face à leurs difficultés. Je vous parlais tout à l'heure du maire de Main. Il a été reçu par le président de la République, je crois que c'était il y a 2 ans, lorsqu'il s'est fait agresser. Et il a fait lui-même des propositions. Il est venu avec des propositions dans la poche auprès du président de la République. Rien. Il n'y a pas de suite. Mais jusqu'à quand? Parce que moi, je veux bien, vous savez, la gauche, leur grand truc, c'est défiler, taper sur des casseroles, faire du boucan, mais ils ne sont jamais au rendez-vous du courage lorsqu'il s'agit de prendre des mesures courageuses. Par exemple, d'être beaucoup plus sévère sur les gens qui commettent des violences. Ils trouvent toujours des excuses, surtout si ce sont des gens qui ont leur couleur politique. Donc, mettons-nous autour d'une table, regardons comment on traite ce sujet des violences et surtout aussi, donnons du pouvoir à nos élus qui vont finir par se décourager tous. Et juste au passage, Reconquête, si vous les aviez en face d'eux, ceux qu'on voyait distribuer des tracts, vous leur dites... Non, mais il ne vous a pas échappé qu'on n'a pas vraiment de lien avec Reconquête. Non, plus du tout, donc ça ne va pas s'arranger. On a, à mon avis, pas eu beaucoup dans le passé, puisque nous nous sommes combattus. Donc, et que nous n'avons pas jamais été alliés, à aucune élection d'ailleurs. Vous n'avez pas Reconquête. Les mêmes valeurs. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Ouais. Il y a un papier dans Le Monde cet après-midi qui revient sur Frédéric Chatillon. Je fais rapide pour Frédéric Chatillon. Qui sait, parce que nous on sait. Mais... J'y viens. Qui a été président du GUD, qui est un mouvement, là vous accepterez qu'il est d'extrême droite. Bien sûr. Il l'est clairement. Et qui dit qu'en gros Marine Le Pen a pris du retrait par rapport à Frédéric Chatillon, qui était un proche dans son histoire personnelle. Et que donc, il y a un des contrats qui a été rompu avec Frédéric Chatillon. Mais il n'y en a pas un autre qui n'a pas été rompu, qui est celui qui est au Parlement européen, avec une entreprise qui s'appelle Unanime. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est sa femme qui dirige, mais c'est lui qui a 5%. Mais voilà, à quoi ça sert de nous dire, comme a dit Marine Le Pen, je cite, « Si Frédéric Chatillon souhaite participer à une manif de cette nature », elle fait référence à la fameuse manif du 6 mai où on avait l'impression d'être dans un autre pays et à une autre époque avec des cagoules dans la tour. La manifestation néo-nazie qui a eu lieu à Paris. Et elle dit « J'en tirerai des conséquences personnelles ». Thomas Ménager, porte-parole de chez vous, du Rassemblement National, dit « Il faut dissoudre le GUD ». Est-ce que ce n'est pas un peu double, un peu fourbe, c'est-à-dire de dire on coupe tout avec lui et puis d'un autre côté on lui donne de l'argent au Parlement européen. Non, mais moi, bon, ce qui est légal, hein. Je vais vous dire exactement ce que nous pensons de tout ça. Ça fait 10 ans qu'on essaye d'attaquer Marine Le Pen sur la relation qu'elle a eue amicale d'étudiante avec Frédéric Chatillon. Alors peut-être qu'on ressort ça parce qu'il y a pas... maintenant on nous attaque sur nos prestataires. Enfin, là, il s'agit pas de la relation amicale. Non, mais j'y viens. Mais on nous attaque sur nos prestataires. Autant vous dire que le niveau du combat politique est un peu léger. Mais peut-être parce que ça arrive peut-être au moment où Marine Le Pen a été classée hier dans un sondage comme étant la seconde femme politique, la seconde personnage politique français la plus compétente. Mais peut-être que tout ça n'a pas de hasard. Je vous fais l'histoire. Personne ne voulait travailler avec feu le Front National et avec le Rassemblement National en ce qui concerne les boîtes de communication. On avait un mal fou, et encore aujourd'hui d'ailleurs, à trouver. Pourquoi? Parce que lorsque vous travaillez avec le Rassemblement National, vous êtes victime de la vindicte du système. Vous êtes le salaud qui a travaillé, qui a aidé Marine Le Pen. Donc on ne trouvait pas de boîte de communication. Frédéric Chatillon est actionnaire d'une boîte de communication emploie des gens qui travaillent plutôt bien. Ils ont donc travaillé avec nous, ils ont fait nos campagnes et ce sont de bons professionnels. Il se trouve que Frédéric Chatillon, qui est un actionnaire minoritaire 5% de cette mais boîte, sa femme 95, a eu des engagements de jeunesse au GUD. Mais toujours, Oui, non, mais attendez, j'y viens. A eu des engagements de jeunesse au GUD, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Enfin, puisque Thomas Ménager propose de le dissoudre. Il a eu des engagements de jeunesse au GUD, par exemple, comme quelqu'un que moi j'aime beaucoup, et je suis persuadé que je ne suis pas le seul, comme Anne Méo.
la grande patronne d'Image 7 qui conseille François Fillon, des grands présidents de la République. La bande Madeleine Longuet, tout ça, voilà. Elle vient du GUD. Personne ne lui dit, Madame Méo, vous avez été au GUD. Attendez, je n'ai pas échappé. Ou comme Nathalie Loiseau, qui avait été candidate sur les listes du GUD lorsqu'elle était étudiante. D'accord. Aujourd'hui, elle est députée européenne Renaissance. Donc, on a le droit d'avoir une jeunesse maintenant. Si la vieillesse est comme la jeunesse, maintenant, voilà. Nous avons une relation commerciale avec ces prestataires. Si cette relation commerciale est parasitée par des engagements politiques qui ne nous conviennent pas de la part de ses actionnaires. Si M. Châtillon considère qu'il a envie d'aller manifester avec des gens que nous combattons, c'est ce qu'il a dit, oui. Eh bien, cette relation commerciale, elle est vouée à disparaître. Elle est vouée à disparaître, parce qu'on ne va pas se faire parasiter. D'accord. Par des gens qui nous amènent, qui nous mettent dans des difficultés parce qu'ils ont une conception de la vie politique et des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Merde. Donc voilà, s'il veut faire de la politique, il en fera, mais il ne nous aura plus comme clients. Très bien. Il y a 3 jours, les Républicains ont dévoilé leur proposition de loi sur l'immigration, avec notamment la possibilité de référendum sur la politique migratoire, le rétablissement du délit de séjour clandestin. Les Républicains, ils vous ont complètement court-circuité, là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas proposé, vous, cette loi? N'oubliez pas les élections présidentielles. On a été les premiers à proposer. Non, mais depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, par exemple, Attendez, il y a un débat sur l'immigration qui doit arriver. Donc, elle lui propose une loi qui ne sera évidemment jamais inscrite à l'ordre du jour. Parce que vous savez comment fonctionne l'Assemblée nationale. Vous faites des propositions de loi, le gouvernement les inscrit à l'ordre du jour. À moins que dans un an, les Républicains, dans ce qu'on appelle la niche, c'est-à-dire le seul moment de l'année où l'opposition peut déposer des propositions de loi, ils ne le fassent. Ils ne l'ont pas fait cette fois-ci. Donc autant vous dire qu'on n'est pas là de parler de la proposition de loi des Républicains. Nous, on a dit qu'on attendait le débat sur l'immigration pour faire nos propositions et nos amendements. On n'allait pas utiliser notre niche parlementaire sur ça parce que nous pensons que nous sommes assez bien identifiés sur ce sujet de la lutte contre l'immigration. Et nous pensons que nous avons travaillé sur des solutions qui permettent de reprendre le contrôle des dérives que nous connaissons en matière migratoire. Je parle de dérives parce que je lisais encore les sondages ces derniers jours, il y a une majorité de Français qui n'en peuvent plus. 85% je crois des Français disent qu'il faut revenir sur la double peine. Autant vous dire que c'est des Français de gauche, de droite, de tout ce que vous voulez. Donc c'est ce que proposent les Républicains. Non, mais les Républicains, ils ont fait un copier-coller un peu wish, vous savez, une version un peu tocard de ce que nous proposons. Alors, c'est moins précis, c'est moins finalisé, c'est pas budgété. Mais vous pourriez le voter, et puis surtout, non, mais ça viendra pas. C'est plutôt eux qui pourraient un jour peut-être voter quelque chose, parce que je pense qu'on a un peu plus de chances d'arriver un jour aux responsabilités qu'un parti qui fait 4%. Donc, les Républicains n'ont pas beaucoup d'imagination. Alors, ils ont sauvé la tête le mois dernier d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites. Là, c'est un petit coup de barre à droite. La dernière fois, un coup, ils n'ont pas voté la motion de censure. Ils ont sauvé la tête d'Emmanuel Macron. Donc cette espèce de « en même temps » montre une absence totale de sincérité et surtout une paresse intellectuelle. Parce que quand vous faites un copier-coller, quand vous allez chercher chez vos adversaires politiques les réponses aux problèmes que rencontrent les Français, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'imagination. Et puis surtout, moi je me souviens, M. Larcher, il disait à l'époque, pendant la présidentielle, jamais le projet du Rassemblement national, revoir la Constitution concernant l'immigration, c'est absolument impossible, c'est un coup de force, disait-il. Aujourd'hui, eux, c'est un coup de farce. Aujourd'hui, les Républicains en sont à copier notre projet, mais ça le valide. La réalité, c'est que tout ça valide ce qu'on dit. Vous savez, quand on parle, par exemple, on en parlait sur la réforme des retraites, de développer une politique nataliste sur un autre sujet. On s'est moqué de nous. Oh là là, ils veulent développer une politique nataliste. Qu'est-ce que j'ai entendu? Le président de la République a dit il y a quelques jours, il faut développer dans notre pays une politique nataliste. Ça valide ce que nous disons. Ça valide et ça vous fait de l'ombre aussi quand on voit aussi. Non, quand on lit, par exemple, Laurent Wauquiez. On n'a pas trop d'ombre de la part d'Éric Ciotti. Qui veut sortir la France de la décadence. Est-ce que le principal concurrent, finalement, ce serait pas lui, Laurent Wauquiez? Vous savez, c'est les Français qui trancheront entre les propositions que feront les Républicains qu'on a vues à l'œuvre. Parce qu'on les a vus au gouvernement. Il n'y a jamais eu autant, d'ailleurs, d'entrées dans notre pays, de politiques migratoires laxistes dans notre pays. Sous Nicolas Sarkozy, il y en avait plus que sous la gauche, plus que sous Lionel Jospin. On les a vus à l'œuvre et je pense que c'est pour ça que les Français les ont durement sanctionnés. Ils prennent un peu les Français pour des imbéciles entre nous. Alors, pour qu'on ait le temps de tout traiter, j'ai parlé du RSA tout à l'heure. Il y a de 60 à 70% des Français qui se disent favorables à ce que le RSA soit sous condition. Alors, ce que veut faire le gouvernement pour l'instant, les conditions, c'est plus d'insertion, de la formation, c'est pas quelque chose, c'est pas du travail obligatoire. Et d'ailleurs, c'est ni du bénévolat, ni du travail non payé. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que ça ne va pas dans le sens de cette espèce de... Marine Le Pen a dit « je suis le parti du bon sens ». Est-ce que ça ne va pas dans le sens du parti du bon sens? Je considérais qu'en gros, il y a 2 millions de personnes et que pour les remettre dans le chemin en vue du plein emploi, il faut demander des...
des choses en échange. Ouais, vous savez, Mme Sacré, que moi je suis député d'une circonscription qui a été longtemps présentée comme la plus pauvre de France, en dehors de la région parisienne, qui est la circonscription de Denain. Et le nombre d'allocataires du RSA est très important. Et autant vous dire que je connais beaucoup de gens qui touchent le RSA. Et quand vous êtes au RSA, vous n'êtes pas modeste, vous êtes pauvre. Et donc il y a un petit côté, je vous le dis avec beaucoup de sincérité, mort aux pauvres qui moi me gêne, parce que je connais bien les dispositifs d'insertion, on voit bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. D'abord je pense que si on veut parler aux Français du RSA, beaucoup de gens sont choqués par la fraude au RSA. Moi j'ai fait démanteler avec les services de l'État, je leur rends hommage. Il y a 5 ans, j'ai fait démanteler dans la ville de Denain 750 dossiers frauduleux d'aide sociale. Il n'y avait pas que du RSA d'ailleurs. Mais donc ça veut dire que ça, c'était de l'argent indûment perçu. Donc déjà, attaquons-nous à la fraude. Ensuite, sur, vous savez que quand vous bénéficiez du RSA, vous passez un contrat d'engagement avec la collectivité, le département qui gère le RSA. Et ce contrat d'engagement, il implique un suivi. On suit les allocataires. 4/5 des allocataires sont suivis. 1/5 n'est pas suivi. Globalement, ça veut dire ne répond pas aux obligations d'insertion. C'est sur ces capacités de suivi, je pense, qu'il faut aller plus fort. D'abord, regardez le profil des allocataires. Tout le monde n'a pas la capacité, quand vous êtes si éloigné de l'emploi, de revenir immédiatement sur des heures de formation, d'emploi ou d'insertion. Même chose par bassin d'emploi. On ne traite pas la même chose de la même façon un allocataire du RSA qui est à la campagne, un allocataire du RSA qui est dans une ville périphérique. Suivi individualisé, je précise quand même. Et puis, la dernière chose, on dit il faudrait que les allocataires du RSA fassent entre 15 et 20 heures d'insertion. Mais il faut les trouver, ces millions d'heures d'insertion, dans des entreprises ou dans des collectivités qui vont devoir accueillir immédiatement des gens. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. En réalité, je comprends la logique. Et moi, je n'aime pas cette logique qui dit « je ne fais rien en retour de ce que la collectivité me donne ». Mais je vous le dis, je pense que c'est une usine à gaz qui n'aura pas les effets escomptés. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je vois comment ça se passe sur le terrain. Moi, je pense qu'il faut que le RSA soit réservé aux Français et que les gens qui sont sur notre territoire, au bout de 5 ans, puissent en bénéficier. Je pense que c'est une prestation sociale qui doit être nationale. Je pense qu'il faut lutter contre la fraude au RSA. Ça rend les gens hystériques et ils ont bien raison. Mais sur pour le 1/5 des allocataires qui ne sont pas suivis, je ne suis pas sûr de la pertinence de tout cela. Cet après-midi, Marine Le Pen a été entendue à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Au cœur des questions, le prêt de 9,4 millions d'euros conclu en 2014 avec une banque tchéco-russe. L'arrivée ou la non-arrivée d'un prêt, jamais, jamais, n'a changé un iota de la position et des idées qui étaient les nôtres en matière géopolitique. Je vous le dis avec d'autant plus de fermeté que j'ai souffert d'une campagne de diffamation absolument inadmissible qui visait à laisser penser que les idées que nous pourrions défendre auraient pu être influencées par l'émergence de ce prêt. Je pense qu'il n'y a rien de plus infamant pour une patriote, pour quelqu'un aussi attaché à l'indépendance de mon pays que je le suis, de se voir suspecté de manière plus ou moins grossière, il faut bien le dire, d'être influencé par quelque nation étrangère que ce soit. Sébastien Chenu, ce prêt, vous le traînez encore comme un boulet. Ma question, elle est très simple. Comment paraître encore audible sur la question de la Russie alors que vous remboursez encore ce prêt à une banque tchéco-russe qui a subi aussi une faillite et des cascades, mais ça a été repris par des entreprises russes? Paraître audible quand jusqu'au 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Marine Le Pen a soutenu Vladimir Poutine? Vous avez déjà fait un prêt dans votre vie? Oui. Oui. Ça vous lie à Emmanuel Macron? Non, ça vous lie à la banque. Et ça vous oblige à le rembourser selon les termes que vous avez conclus avec votre banque. Oui, mais le vrai scandale. En revanche, ces banques-là n'ont pas soutenu l'attitude de la Russie de Vladimir Poutine. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Et la guerre en Ukraine. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je vous comprends très bien, mais vous réponds. Non, je vous explique. Nous sommes dans une démocratie. Les partis politiques qui s'administrent librement concourent à la vie politique de notre pays et sont financés par des prêts bancaires. Marine Le Pen et le Rassemblement national ont souhaité obtenir des prêts bancaires en France, comme n'importe quel parti politique. Nous avons sollicité 200 établissements bancaires. Aucun, vous entendez bien, aucun établissement bancaire français n'a souhaité nous faire un prêt. Alors qu'évidemment, il était à peu près évident qu'on allait faire plus de 5% aux élections qui seraient remboursées. Pour des raisons d'image, pour des raisons de pression,
pour copinage avec le système. Ils n'ont pas voulu, ils l'ont fait pour l'UMP. Hein. L'UMP qui a 120 millions de dettes a obtenu. Vous n'avez pas, aucune banque française ça, c'est, a accepté donc, vous n'avez de pas vous de banque française. Est-ce donc, que vous regrettez nous tournons, aujourd'hui ce prêt en, j'arrive, avec la Russie, j'arrive. Ce qui n'est pas anodin madame, aujourd'hui madame, dans nous allons chercher un prêt là où on veut bien nous en faire un. 9 millions d'euros à 6%. Madame, quel qu'il 9 soit millions d'euros d'où à 6%, ce n'est pas vraiment un cadeau. Oui, enfin là où on peut en trouver, hein, parce qu'on en a fait des établissements bancaires, on ne pouvait pas en faire en Europe, interdit aussi. Donc on a été obligé de sortir de l'Europe. Nous avons eu cette banque tchéco-russe qui nous l'a prêtée. Nous remboursons avec une belle régularité. Tout est contrôlé par la Commission nationale de contrôle des comptes des partis politiques. Nous n'avons aucun problème avec ça. Et on nous dit, ah ben parce que vous avez trouvé une banque en Russie, ça vous lie à Vladimir Poutine. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, on a trouvé une banque, on a pu en trouver. Je rappelle que donc en France, grande démocratie, personne n'est capable de nous financer. Tout le monde trouve ça normal. Hein. Tout le monde trouve ça normal non, que la finaliste que la de l'élection de présidentielle ne puisse pas trouver de banque. Dans une démocratie, on trouve ça très bien. Mais nos engagements politiques, ils ne sont pas liés au pays qui héberge cet établissement bancaire. Enfin, c'est totalement grotesque. Quand vous faites un prêt à une banque, quelle qu'elle soit, vous ne faites pas un prêt au président, au responsable politique du pays, quel qu'il soit. Merci. Et nous avons, je crois, des positions très claires sur ce que la Russie fait aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine. Merci, on a bien entendu vos arguments. Merci beaucoup, Sébastien Chenu. Vous restez avec nous, vous connaissez... comme nous tous, les industriels Michel-Édouard Leclerc, Dominique Schelcher, Alexandre Bompard, qui représentent respectivement les enseignes de la grande distribution, Leclerc, Système U et Carrefour, en première ligne dans l'actualité face à l'inflation. En revanche, notre invitée, on la connaît moins, à tort. Cathy Collard-Gégère est à la tête de l'une des marques préférées des Français, Picard, ce qui fait d'elle l'unique femme PDG de la grande distribution alimentaire en France. Bonsoir. Bonsoir. Cathy Collard-Gégère, PDG de Picard depuis 3 ans. Depuis 3 ans, donc, vous avez fait qu'enchaîner les crises en 2020. Il y a eu le Covid, maintenant il y a l'inflation, on va en parler. Mais malgré ça, vous avez su redresser la barre ? Oui, en tout cas, ce pourquoi j'ai été embauchée, ça a été effectivement de relancer la croissance oui, de l'entreprise. Parce qu'en 2020, quand vous arrivez, même si Picard est très apprécié des Français, Picard n'allait pas très bien. Picard avait une croissance étale, on va dire, alors qu'effectivement, elle est dans le cœur des Français depuis toujours. Mmh. Donc mon rôle à moi, ça a été finalement de reprendre l'ADN, ce qu'elle avait, cette belle marque à l'origine, la qualité de ses produits notamment, et puis finalement de l'équiper d'un certain nombre d'atouts dont on a besoin aujourd'hui, parce que vous venez de le dire, les crises s'enchaînent, le monde bouge. Il était important aussi qu'on puisse recontextualiser en tout cas l'entreprise pour qu'elle puisse durer encore 50 ans. Vous êtes la seule femme à diriger un grand groupe dans la grande distribution. Est-ce que c'est compliqué d'évoluer dans ce monde d'hommes ? Oui, alors il est vrai que moi j'ai débuté il y a 28 ans comme chef de rayon. Oui, vous aviez 23 ans et vous étiez chef de rayon chez Auchan dans le nord de la France. Absolument. Donc vraiment, vous avez gravi tous les échelons. J'ai gravi. J'étais chez Auchan, donc près de Lille. Voilà, moi je suis lilloise d'origine. Moi je suis nordiste aussi. Très bien. Ben voilà, on se retrouve entre nordistes. Les meilleurs sont là. Voilà. Ça a été un parcours du combattant ? Oui, parce que la distribution alimentaire à l'époque est un monde d'hommes, donc effectivement, ça n'a pas toujours été simple. Là où pour les hommes, c'était plutôt un parcours assez droit, eh bien moi, il a fallu effectivement, j'enchaîne différents zigzags, jusqu'à aller en Chine, jusqu'à occuper différentes fonctions. Mais j'y ai appris beaucoup. Aussi, j'ai appris effectivement l'humilité, l'audace, puisqu'il a fallu frapper à quelques portes pour pouvoir exprimer son ambition. Donc là aussi, l'ambition, il y a 28 ans, exprimée par une femme, voilà, c'est pas oui, toujours bien perçu. Oui, sur votre famille, vous venez de quel type de famille ? On vous a poussé ? C'est une question pour savoir si l'ascenseur social dont tout le monde parle marche. C'est-à-dire qu'on peut... Alors j'ai un papa qui était militaire de carrière et maman ne travaillait pas. Donc en fait, mon papa était très inspirant en termes de management, effectivement. Vous voyez l'esprit de corps, l'engagement, le meneur d'homme. En tout cas, c'est vraiment ce qui m'a inspirée. Je me suis dit, ouais, quand je serai grande, je voyais les étoiles dans les yeux de ses équipes. Et je me suis dit, ouais, quand je serai grande, j'aimerais vraiment avoir ce type d'impact. Et donc je voulais très tôt être militaire de carrière, moi aussi. Parce que ça. Et voilà, et donc on n'y est pas du tout. Mais pour autant, je retrouve les mêmes valeurs sur ce côté faire corps, en tout cas avec son équipe, pour aller relever des défis. Et enfin, on en a parlé, ils sont nombreux. Vous disiez aussi, quand je serai grande, je serai à la tête d'un grand groupe. Enfin, je serai là où vous êtes en ce moment. Vous avez un peu atteint votre rêve. Vous gérez combien de salariés aujourd'hui ? Donc c'est 6800 personnes, en fait, voilà, en France. Et puis on s'exporte aussi à l'international. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 18 pays. Oui. Vous disiez, je n'ai pas peur de dire que j'ai de l'ambition. Moi, je veux le pouvoir, je veux l'exercer seule. C'est vrai que c'est rare qu'une femme ose le dire.
Oui, c'est rare, c'est pas toujours bien perçu, mais je pense qu'il est temps, effectivement, de dire les choses. Et puis le pouvoir, c'est pas tant pour avoir mon bâton de maréchal, mais le pouvoir, c'est aujourd'hui pour impacter, pour pouvoir prendre des décisions, les assumer. Et puis, effectivement, faire corps avec une équipe au service d'un projet. Vous avez dû prendre des décisions là, avec l'inflation, sachant que le rayon surgelé, c'est celui où les prix ont le plus augmenté, parce qu'en plus des prix des matières premières, des prix de l'emballage, vous subissez les prix de l'énergie. On est à 15% de hausse pour l'alimentation en général, plus 20% pour les surgelés, et les consommateurs le sentent. Le prix des surgelés s'enflamme, plus 20% en un an. La viande, par exemple, avant, elle était à 6 euros et des patates, et maintenant elle a passé à 15 euros les bottes de 10 steaks hachés. Oui, bon, on l'a constaté, avant on arrivait à faire des courses pour 80 euros à peu près. On est passé à environ 120 euros le ticket de caisse par semaine. Dans le détail, c'est le prix de la viande qui a le plus progressé, plus 30% en un an. Suivi par les plats cuisinés, plus 20%, et les légumes, plus 18,7%. Votre facture à vous, elle a été multipliée par 3, et pourtant vous avez choisi de ne pas tout répercuter sur vos prix, mais les étiquettes, elles ont quand même, ça a quand même augmenté. Oui, alors moi, ma conviction, en tout cas depuis le début de cette crise, c'est me dire en tant que dirigeante, je dois effectivement faire en sorte de casser cette inflation. Donc vous voyez, à l'heure où vous dites le marché est surgelé, est à 20% d'inflation, ben, chez Picard, nous sommes à 16% d'inflation. Vous voyez, une vraie volonté en tout cas de contenir l'inflation. Et la contenir, ça a été notamment de me dire, ce prix de l'énergie qui a été multiplié par 3, je ne le répercuterai pas. Eh bien, on le prend sur ses marges, on le prend sur sa rentabilité. Effectivement, sachant que l'énergie, c'est conjoncturel, on sait que c'est cette année qui était difficile à passer. On a plutôt de bonnes nouvelles sur 2024, sur une baisse de l'énergie. Donc, je pense qu'effectivement, chacun doit prendre sa part. Et vous avez également changé vos recettes. Oui, alors... Je sais qu'il y a de la truite qui remplace du saumon, par exemple, dans certains plats. C'est vrai, parce qu'on a pris un certain nombre d'actions pour être effectivement en meilleur rapport qualité-prix. On se l'est dit, ce n'est pas répercuter les coûts, mais ça a été aussi revisiter nos recettes. On a la main sur nos recettes. On est une marque de distributeur, la marque Picard. Donc toutes les recettes sont faites chez nous. Donc on a voulu effectivement revisiter un certain nombre de recettes pour rester dans un corridor de prix accessible pour les clients. Donc comme vous le disiez, au lieu du saumon, eh bien, certains plats cuisinés ont maintenant de la truite fumée. On n'a pas rogné sur la qualité, bien au contraire, mais effectivement, des matières moins nobles ont fait place à des matières plus accessibles. Et vous avez senti quand même un changement de comportement du consommateur, des consommateurs qui achèteraient moins, qui sacrifieraient certains produits? Oui, alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a recruté cette dernière année 1 million de clients supplémentaires. Ah, quand même. Donc, pour preuve qu'effectivement, tout cet accompagnement qu'on a sur le pouvoir d'achat a trouvé de la résonance dans les clients. Et puis, vous le disiez effectivement, le comportement a changé. Donc chez nous, par exemple, c'est effectivement toutes les 2 visites, les clients achètent un article de moins. Donc en fait, ce n'est pas tant dans leur venue, au contraire, ils sont de plus en plus nombreux. Mais pour le coup, il y a un vrai arbitrage qui s'opère effectivement dans le nombre d'articles achetés. Picard, c'est 85 000 tonnes de légumes par an à congeler, ce qui permet de ne pas gaspiller. En revanche, faire tourner des énormes congélateurs en permanence, alors qu'Elisabeth Borne a encore appelé en début de semaine qu'il fallait réduire nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce que c'est un modèle qui peut tenir à long terme ? Oui, c'est un modèle qui peut tenir parce qu'effectivement, la dépense énergétique comparée à l'économie que l'on fait en ne gaspillant pas... C'est équilibré. C'est équilibré. Vous savez que le gaspillage alimentaire pour les produits surgelés, c'est moins de 1% quand vous gaspillez plus de 20% sur les produits frais. Et vous connaissez votre impact carbone quand même ? Donc oui, on le mesure effectivement et 80% est lié aux produits, donc en amont hein, sur les produits. Et donc c'est pour ça qu'on a un vrai projet, nous, RSE, qui est sur toute la chaîne de valeur. Donc on parlait des produits, mais les produits chez nous, les fruits et légumes sont cueillis en pleine saison, en campagne. Et puis le fait de les changer. Donc on a 300 fournisseurs français, ouais. Donc qui sont pour en tout cas les fruits, les légumes essentiellement en Bretagne. Et puis on en a également dans le nord de la France. Mais quand même, sûr, quand on voit des cœurs d'artichaut qui viennent d'Égypte, des pois gourmands, je me suis baladée sur le site de Picard aujourd'hui. Il y a des pois gourmands qui viennent du Kenya ou du Guatemala dans Verrayon. Pourquoi est-ce que là on ne se fournit pas en France pour ces produits-là? Parce qu'il y a des produits que vous ne trouvez pas en France. Les artichauts et les petits pois. Et puis certains, vous ne trouvez plus en ce moment à cause de la pénurie. Vous voyez, les campagnes, les aléas climatiques font qu'aujourd'hui, les haricots verts, eh bien, c'est 50% de production en moins
cette année en France. Donc, or, notre première mission, c'est de nourrir les Français. Donc oui, on va s'accorder sur certaines origines qui ne sont pas que françaises. Mais vous savez, 70% de nos produits viennent quand même de France. Picard, c'est une ancienne qui naît en 1906. Ça doit être une grande fierté. Fierté aussi pour la parité dans votre comité de direction. Ça n'était pas le cas avant vous, je crois. Oui, alors bah, forcément, étant une femme à la tête du groupe et ayant vécu mon parcours, moi j'ai à cœur en tout cas finalement de porter ces axes de parité. Donc on a un index notamment de 99 sur 100 dans l'entreprise et je suis très fière puisqu'on l'a obtenu cette année. Et c'est un comité de direction qui est composé de 50% d'hommes, 50% de femmes. Et puis en même temps, moi, je prends aussi beaucoup plaisir à être peut-être un rôle modèle, aller dans les écoles et inspirer et donner envie aussi à des jeunes personnes de voir que finalement, tout est possible parce que je suis maman, je suis mariée et je suis PDG d'une belle entreprise française. Ben j'espère qu'on aura inspiré les téléspectateurs de C'est à vous. Merci beaucoup. Cathy Collard-Gégère, PDG de Picard. On va passer à la story de Mohamed Bouassi. Merci. Mohamed, dans votre story, le droit à l'avortement drastiquement réduit en Caroline du Sud. Oui, le Sénat local a voté hier l'interdiction de l'avortement après 6 semaines de grossesse. La Caroline du Sud rejoint donc la quinzaine d'États américains où il est désormais quasiment impossible d'avorter. So we've got some breaking news out of South Carolina, where just moments ago, the state Senate there voted to pass a bill that would drastically restrict abortion access in that state. South Carolina is one of the last states in the Southeast to restrict abortion access. After hours of debate, the Senate voted 27-19 and agreed with the House's changes to the 6-week abortion ban. Limiting abortion access from the current 22 weeks to just 6. Now, that's before many women know that they're pregnant. Depuis plusieurs semaines, les débats au sein du Sénat local étaient violents. Les élus républicains utilisaient notamment un argument lié à la localisation de la Caroline du Sud. Regardez cette carte. L'État est entouré d'une quinzaine d'autres ayant renforcé les lois contre l'avortement. Parmi eux, le Tennessee, voisin quasi direct de la Caroline du Sud, qui a même proscrit l'avortement en cas de viol ou d'inceste. Les républicains locaux ont donc estimé que la Caroline du Sud était devenue un refuge pour les femmes qui ne pouvaient pas avorter ailleurs, et on a pu entendre des propos choquants au sein même de la Chambre des sénateurs. South Carolina has become the abortion destination state in the Southeast because South Carolina's law is the weakest of any state in the Southeast. Yes, I certainly believe the majority of South Carolinians value life, want to see laws in place that protect an unborn child, by all means. C'est désormais au gouverneur républicain de la Caroline du Sud, Henry McMaster, de promulguer la loi, mais ce dernier n'a pas fait mystère de ses intentions. Sur Twitter, il a déclaré « J'ai hâte de signer le texte pour le transformer en loi aussi vite que possible ». Des femmes ont décidé de se mettre sur son chemin pour trouver des recours, plus particulièrement 5 sénatrices, dont 3 républicaines qui ont bravé les consignes de leur parti. Depuis plusieurs semaines, elles mènent un dur combat contre ce texte. Maybe I'm confused about this legislation. Or maybe the men who wrote it know more about pregnancy than the women in this chamber or across this state or the country who can actually get pregnant and give birth. Millions of women in this state who feel like they've been personally addressed in this legislation. There are millions of women who feel like they have not been heard. And that's why I'm standing up here this long. It's always about control, plain and simple. And in the Senate, the males all have control. We, the women, have not asked for, nor do we want your protection. We don't need it. Ces sénatrices travaillent désormais avec plusieurs associations dans la puissante organisation du planning familial américain pour intenter des poursuites judiciaires et bloquer ce texte. Des recours qui sont d'ailleurs soutenus par le président américain Joe Biden. Il en a fait un élément de campagne en vue de l'élection présidentielle de novembre 2024. Pour la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, la condition des femmes et leurs droits pourraient bien devenir un enjeu du prochain scrutin présidentiel. Dans une élection présidentielle, ce qui compte avant tout, c'est l'économie,
l'adhésion à la personnalité d'un candidat. Et normalement, la condition des femmes compte très peu. Et depuis que la Cour suprême a supprimé la garantie du droit à l'avortement, il y a eu ici et là des élections locales, des référendums locaux. Et chaque fois que l'avortement a été en jeu dans ces scrutins, même dans des États très conservateurs, les anti-avortements ont perdu. Et là, oui, je pense vraiment que ça sera un enjeu important des prochaines élections. Sébastien Chenu, Emmanuel Macron a promis l'entrée dans la Constitution du droit à l'avortement. Est-ce que c'est une position que vous soutenez ? Oui, oui, comme une majorité d'ailleurs des députés du Rassemblement national, on l'a voté. Une majorité des députés de notre groupe, très peu ne l'ont pas voté en réalité. Moi, ce qui me gêne, il y a deux choses qui me gênent. D'abord, quand des hommes se mettent à vouloir limiter les libertés des femmes, ça me gêne. Ces mecs, qu'est-ce qu'ils connaissent au corps des femmes, à leur histoire, à leur liberté, etc. De quoi se mêlent-ils ? Je trouve que c'est insupportable. Moi, je suis très attaché à cette liberté, à ce droit. Je pense que, oui, il peut être menacé ici et là, souvent d'ailleurs sous la pression de courants religieux. On sait que le rôle de certaines églises évangéliques, protestantes aux États-Unis, qui impactent très fort, qui sont très immixées dans la vie politique américaine. Donc, bien sûr, je comprends le combat de ces élus, de ces femmes élues. Et j'ai envie de dire à ces hommes élus de se mêler de ce qui les regarde, parce que la réalité, c'est que ça ne regarde pas les hommes, cette histoire-là. Ou alors, en tous les cas, uniquement pour soutenir cette liberté que les femmes ont conquis difficilement. Cathy Collin-Gégère, un commentaire ? Non, moi je trouve effectivement révoltant qu'on puisse régresser à ce point quand on voit le nombre d'années que ça a mis et puis les combats qu'il a fallu pour effectivement acquérir ses droits. Et bien sûr, moi qui tous les jours défends justement parler de parité des droits de la femme, je suis effectivement assez révoltée. Merci, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Bédard. Mathieu, partout en France, on a rendu hommage à Karen Mézineau à midi. Oui, l'infirmière qui a perdu la vie lundi après une agression au couteau au sein de l'hôpital de Reims. Hommage comme hier au CHU où elle exerçait. On a observé une minute de silence à midi. Il et elle étaient une centaine dans la cour de l'hôpital Rémois. Sur un banc de cette cour, des collègues et des patients avaient déposé des fleurs blanches. Mais tous les hôpitaux du pays, en réalité, ont rendu un hommage appuyé à Karen Mézineau. Nice, Montpellier, sur vos écrans, Bastia, Guéret, Pau, entre autres. C'est à Paris, à l'hôpital Georges Pompidou, qu'Elisabeth Borne et François Braun se sont rendus. La Première ministre qui a eu quelques mots pour la victime. Derrière notre peine, il y a ce sentiment d'injustice. Il y a cette volonté de protection. Les ministres travaillent pour que toutes les mesures soient prises pour la sécurité de celles et ceux qui nous soignent. Je m'y engage à mon tour. Aujourd'hui, toute la communauté des soignants est en deuil et tout notre pays a le cœur serré. On a appris d'ailleurs ce soir que le suspect a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Sébastien Chenu, j'imagine que vous partagez le deuil exprimé par la Première ministre. Est-ce qu'il faut qu'on en vienne, on en parlait hier soir, à sécuriser avec des portiques ou des contrôles les entrées des hôpitaux ? Je veux avant aussi avoir une pensée pour Steven, Marion et Paul, les trois policiers qui, ce week-end aussi, ont perdu la vie. Steven est un enfant de ma circonscription. J'ai échangé avec ses parents, qui font preuve d'une dignité incroyable. Et ils habitent Denain. Et c'est vrai qu'on voit, je les lis au sort de cette infirmière et de cette secrétaire médicale, parce qu'il y a une secrétaire médicale aussi qui a été agressée, parce que ce sont des agents du service public. Il n'y a pas de fatalité à ce que les agents du service public qui nous protègent et qui nous soignent se retrouvent assassinés, poignardés, etc. On a, dans le cas présent, d'abord, un problème d'antécédent visiblement psychiatrique concernant cette infirmière et concernant celui qui l'a assassiné, puisque c'est le chef d'examen qui est intitulé ainsi. Donc il n'y a pas de fatalité, mais je pense que lorsqu'on ferme 18 000 lits, lorsqu'on abandonne l'hôpital psychiatrique et la santé mentale dans notre pays, comme elle est abandonnée depuis si longtemps, évidemment on se retrouve avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques en liberté, qui ne sont pas soignés. Je pense que là, on a un chantier absolument énorme. Évidemment qu'il faut sécuriser peut-être aussi les hôpitaux, mais quand même, l'hôpital, c'est pas l'endroit où on a envie de se retrouver avec des portiques, etc. C'est un endroit de soins, un endroit où on accompagne les gens dans les moments les plus difficiles, mais aussi les plus beaux de la vie. Et donc, c'est vrai que ça pose ce problème. Mais maintenant, il y a aussi concernant, c'est souvent des récidivistes, des gens qui ont des antécédents dans tout ça.
Il y a un laxisme terrible. Moi, je regarde dans tous les faits qui nous sautent aux yeux maintenant quasiment quotidiennement. Le rapport aussi, c'est pas le cas, je crois, pour l'infirmière, mais c'était le cas pour les policiers tués. Le rapport à la drogue, à l'usage des stupéfiants. À un moment, il va falloir taper les consommateurs. Je veux dire, il y a aussi dans nos sociétés une espèce de petite musique qui dit que c'est pas grave de fumer un joint, etc. D'accord, ok, très bien, on peut avancer sur ça. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui consomment, alors on s'attaque pas aux consommateurs. Il faut s'attaquer aussi aux consommateurs. Parce que la drogue fait des ravages, elle en fait dans nos campagnes. Donc vous voyez, on a à la fois des problématiques de soins, de sécurité, de justice, et on n'est qu'au début du chemin. Parce que j'ai l'impression qu'on a devant nous une société de plus en plus violente, mais il n'y a pas de fatalité. Moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité à laisser nos agents du service public ou nos jeunes se faire tuer ainsi. Le gouvernement veut déplacer des sans-abri parisiens en région. Oui, une idée qui fait débat, on va y revenir, c'est une question d'anticipation. En réalité, on anticipe la Coupe du Monde de rugby qui se tiendra à l'automne et bien sûr les prochains Jeux Olympiques de Paris à l'été 2024. Pour assurer la bonne organisation de ces deux événements d'envergure, il faut s'assurer de pouvoir accueillir des touristes notamment. Or, de nombreux établissements hôteliers servent aujourd'hui à l'hébergement d'urgence. À l'hébergement francilien est saturé. Alors l'État organise un redéploiement des personnes aidées, de l'hébergement d'urgence, des sans-abri, des réfugiés parfois, parfois les deux à la fois, qui seront redéployés en région, notamment en Bretagne. Le préfet de région Île-de-France, en lien avec le ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer, le ministère en charge de la politique du logement et de la politique de la ville, organise des mises à l'abri également en Île-de-France de manière très régulière. Ce nouveau dispositif est complémentaire de ce qui existait d'ores et déjà. Ces sans-abri seront d'abord accueillis dans ce qu'on a appelé un SAS avant d'être orientés dans la région. Un des sites se trouve à Bru, 18 000 habitants, c'est tout près de Rennes. Sauf que le maire n'est pas ravi, notamment à cause du choix du terrain, un site appartenant à la SNCF, que vous voyez sur vos écrans, qui est près de la voie ferrée. Le maire estime que ce serait accueillir des personnes précaires dans des conditions indignes. Ça jouxte la ligne Rennes-Nantes, donc au niveau sécurité, c'est quand même pas terrible. On a un pont qui passe juste au-dessus où il y a beaucoup de circulation, donc c'est pas terrible non plus. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est un terrain qui est pollué, puisque c'est un terrain qui est pollué aux hydrocarbures et aux métaux lourds. L'été, il y aura sans doute beaucoup de canicules, comme d'habitude. Hein. Et là, sur ce terrain-là, il n'y a aucune ombre, il n'y a aucun endroit pour se protéger. Donc nous, on estime que ce terrain-là n'est pas digne de recevoir des personnes. Les personnes déplacées le seraient sur la base du volontariat, hein, mais du côté de la Fondation Abbé Pierre, si on ne rejette pas forcément l'idée, on salue même l'anticipation. L'inquiétude porte entre autres sur la façon de faire et sur l'information délivrée aux sans-abri en question. On voit des personnes qui montent dans des bus sans vraiment savoir où elles vont, un peu contraintes et forcées, qui vont par exemple, qui sont envoyées à Toulouse et qui, à la moitié du parcours, lors d'un arrêt sur une aire d'autoroute, quittent le bus et reviennent en Île-de-France parce qu'en fait, c'est pas vraiment là où elles voulaient aller. On s'aperçoit aussi que les conditions d'accueil sont pas si bonnes qu'annoncées, avec des élus locaux qui sont pas forcément dans la boucle, pas forcément au courant, pas forcément volontaires pour accueillir dans ces conditions les personnes. Et puis ce qu'on voit aussi, par exemple à Rennes, c'est que la préfecture met dehors des personnes qui étaient hébergées dans des hôtels pour faire de la place aux ménages desserrés qui viennent d'Île-de-France. Donc là, on est sur un jeu de bonneteau qui est complètement irrationnel, où on met à la rue des personnes pour mieux héberger, soi-disant, d'autres personnes qui viennent d'Île-de-France. Sébastien Chenu, au-delà de la question de la salubrité du terrain à Bru, ça c'est un cas particulier, c'est si absurde l'argument de la solidarité entre régions, entre départements, pour partager finalement l'hébergement d'urgence? Non mais la responsabilité de ceux qui nous gouvernent est immense. Dans ce domaine. Il y a deux problèmes qui se juxtaposent dans ce que nous voyons. D'abord, je reprends les propos de Jean-François Carinco, le ministre délégué à l'Outre-mer, qui répondait à une séance de questions à l'Assemblée nationale, qui dit « Nous n'avons jamais mis autant d'argent pour payer des chambres d'hôtel pour des migrants ». Je reprends ses propos, il les a tenus devant moi, ils sont publics. L'État n'a jamais autant réservé de chambres d'hôtel et c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Il n'y a pas de limite. Pardon, à partir du moment. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que c'est pas budget des chambres en question, c'est non, la mais, chambre. C'est un problème, puisque ces gens occupent des chambres payées par l'État et que les hôteliers veulent les récupérer, c'est qu'il y a un problème de flux. Plus on accueille des gens, moins on sait les loger. On ne peut plus accueillir de gens, de migrants qui arrivent du monde entier. Là, on
ne sait pas les loger. Quelque chose, on ne va pas les mettre dans une décharge. Pour le reste. Mais évidemment, on n'a jamais construit aussi peu de logements dans notre pays que sous Emmanuel Macron. On n'a jamais autant racketté les bailleurs sociaux que sous Emmanuel Macron, qui ont été ponctionnés de plusieurs milliards sous son mandat. Donc en fait, on a la juxtaposition. Des centaines de milliers de gens arrivent. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas d'ailleurs non plus les accueillir, parce que faites des référendums dans des mairies. Vous avez vu, le maire, il est nouvelle donne. Donc il est de gauche. Ce n'est pas des gens Rassemblement National. Ils ne veulent pas accueillir dans les communes, puis on n'a qu'à demander aux gens. Non, c'est pas qu'ils ne veulent pas l'accueillir. Non, mais il dit le maison où il accueille, etc. Mais demandons aux habitants. Il a 22 maisons où il accueille. Il n'y a pas de débat sur le choix. Demandons aux habitants s'ils ont envie d'accueillir des centres de migrants. Demandons-leur. On a le droit de demander aux gens. On n'est pas obligé d'imposer aux gens. Mais derrière, il n'y a plus de politique du logement depuis des années dans notre pays. Ça a été totalement laissé à l'abandon. Donc on a des gens qui arrivent. Moi, je crois qu'il faut cesser ces flux migratoires. Et de l'autre côté, on ne construit pas de logements. Je vais vous dire, dans mes permanences, le vendredi, moi, je fais des permanences où je reçois tous les habitants. Le premier sujet des demandes des habitants, devant tous les autres sujets, 80% des gens qui viennent me voir, c'est pour un problème de logement. Parce que les familles évoluent, elles sont déstructurées, on divorce, on se remarie, on a des enfants, on n'en a pas. Enfin, les gens évoluent. Et il n'y a pas de logement dans notre pays. Comment, dans un pays comme la France, on a pu laisser à l'abandon la politique du logement? Moi, je me souviens... Sébastien Chenu, excusez-moi, c'est un peu long, mais vous avez retenu que les migrants, des logements, il y en a. Simplement, ils ne sont pas tous à Paris. Et il faut aussi dispatcher. Il y a de la possibilité de loger dans des régions. Vous vous dites, les termes que vous utilisez, il faut dispatcher. Oui, dispatcher la solidarité, Sébastien Chenu. Ce que vous racontez est encore mieux, parce que ça veut dire, en fait, cacher tous ces gens-là, loin de Paris, qui accueillent les Jeux Olympiques, parce qu'on ne veut pas les voir. Ça aussi, hein, on connaît la chanson. Dégager tous ces gens-là dans les provinces, aller... Non, ce n'est pas le genre de Mathieu de dire qu'on va faire le ménage. Je n'ai pas dit ce que disait Mathieu. C'est le gouvernement, les autorités qui disent, attention, les Jeux Olympiques sont être un moment magnifique, il faut absolument qu'on ne voit pas toute cette misère, ces gens qui s'entassent, pour avoir des places d'hôtel, de logement. Vous êtes bien placé pour le savoir. Les Hauts-de-France sont épargnés par cette idée de répartition, puisque je ne vais pas utiliser le mot dispatch, comme la Corse, parce que ce sont des régions qui sont déjà saturées. Il y a l'idée de partager la solidarité. Mais donc, c'est bien ce que je vous dis, on ne peut partager que ce que nous avons. Or, nous n'avons plus de logements disponibles, vous venez de le dire, et nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, député du Rassemblement national du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Cathy Collard-Gégère, PDG de Picard. On va tout de suite se rendre à Cannes, dans une ambiance, je ne sais pas si elle est toujours aussi feutrée que tout à l'heure. On s'en va bête. Et non, tout change toutes les 15 secondes ici à Cannes. Le public de C'est à vous est là. Merci à eux d'être là tous les soirs en direct de la promenade de la Panthéro à Cannes pour accueillir nos invités. Ce soir, c'est Michel Larocque, Alessandra Sublet, le jeune Pierre Demar, révélation des victoires de la musique cette année, en 2023, mais aussi Félix Lefebvre. On l'a remarqué dans Été 85 de François Ozon. Il a monté les marches tout à l'heure pour un film que Pierre a adoré. Et puis Eric Serra sera là. Salut les amis, ça va bien? Eric serait là. Eric Serra pour les 35 ans du Grand Bleu, pour sa bande originale culte. Faites-moi un dauphin, s'il vous plaît. Heureusement que c'était mieux avec Eric Serra. A tout de suite, juste après le bûche.